任せろってんだろ。いや、俺がやる。俺に命令するな。わかんねえ奴らだな。わかんねえのはお前だ。よし、おめえら、引っ込んでていいぞ。おい、聞いてんのか。お前ら二人に引っ込んでろと言ったんだ。もう一度俺に命令してお前から消すぞ。Et donc salut à tous et toutes, c'est Super Clash. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau format que je propose, hein, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et donc c'est une théorie One Piece, donc je n'ai pas vu de théorie semblable sur la toile. Ça parlera donc de l'alliance entre Law, Luffy et Kid. Donc ces trois personnages qui sont tous trois capitaines et de la génération des terribles. Et donc voilà, donc qu'est-ce qui me fait penser qu'ils vont s'allier? Eh bien, quand on regarde dans l'arc de l'archipel des Sabundi, eh bien, ou dans le chapitre 504-2 du manga, eh bien, nous pouvons voir une alliance entre ces trois personnages. Et donc je pense que c'est pas anodin qu'Ichiro Oda ait fait cette alliance. Je crois que ce n'est pas un hasard, hein. Je crois que ça annonce qu'ils vont peut-être s'allier. Et donc qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est le fait qu'ils aient tous les trois la même idée en commun dans ce manga, donc enfin dans le parti de donc de chapitre 504. Et donc on voit qu'ils se disputent, mais pour râner. On voit bien, genre ils disent tous ouais, je vais défoncer tout le monde, laissez-moi tranquille, tout ça. Enfin bon, c'est un peu aussi une question de fierté, mais on voit quand même qu'ils ont l'air d'être de s'entendre plutôt bien. Ils ont à peu près les mêmes idées en tête, le même rêve, et puis je crois, enfin le même rêve, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont tous les trois de grands rêves. Donc c'est ça leur particularité à eux trois. Ils ont tous les trois de grands rêves à réaliser. Voilà. Donc pour ça, ils ont tous les trois un objectif. Et bien prendre leur place et pour devenir roi des pirates. Donc Law a choisi le côté de Luffy. Donc on sait que l'alliance Law et Luffy a été rompue lors de l'arc de Flamingo. Et on sait aussi que l'alliance que Kid avait faite avec deux autres supernovas, elle a échoué contre Kaido. Donc Toom me fait penser à dire ces trois personnages sont voués à revenir et donc à s'allier. Et donc là où il serait revenu vers Luffy, et Kid serait revenu avec Luffy donc pour les épauler. J'imagine pas une alliance évidemment qui soit Luffy est le boss et les autres ils doivent respecter. Non, j'imagine plus les trois vont se mettre dans la peau du boss, c'est-à-dire qu'ils vont pas dire ouais je suis boss tout ça. Ils vont se dire ouais on est égaux et on va s'entraider pour défoncer tous les empereurs. Et donc cette alliance, je crois qu'elle va avoir lieu et bien lors de la grande guerre que Kaido avait annoncé. Car je pense que l'équipage de Luffy tout seul, et bien sans ses alliés, enfin même rien que l'équipage de Luffy, l'équipage de tous ceux qu'ils ont récupérés à Dressrosa avec Doflamingo, et bien tout cela, je pense qu'ils vont pas trop faire le poids contre l'équipage de Kaido ou contre la marine. Et donc je pense qu'il y aura une alliance, il y aura forcément quelque chose, parce que certes les équipages qu'ils ont récupérés à Dressrosa sont puissants, on l'a vu, hein, contre par exemple Don Cachero, ou je sais plus comment il s'appelle, Luffy, pas galéré, mais par contre il a quand même eu un tout petit peu de mal, hein, on peut le dire, et que c'est quand même une légende vivante. Et il y a aussi Bartolomeo qui est lui avec un fruit du démon très cheaté, on peut se le dire. Et il y a aussi Cavendish avec sa cavalerie, tout ça, juste pour citer que les plus puissants. Après il y a encore aussi le boxeur et il y en a plein d'autres. Et donc oui, certes, cet équipage est puissant, donc je disais, mais par contre, je crois que ça ne suffira pas et qu'il y aura besoin d'une puissance supplémentaire. Donc, Law avait déjà conclu une alliance avec Luffy par le passé, avec Dressrosa. Et par contre, Kid,
eh bien, il a conclu une alliance qui s'est mal passée contre Kaido, et donc je pense que lui, il va vouloir se venger. Donc il y a aussi ça. Kid va peut-être s'allier avec Luffy et Lao, parce que pour se venger, et donc avec l'alliance qu'il avait déjà faite, eh bien, je pense qu'il y aura la puissance nécessaire pour vaincre Kaido et son armée, et pareil pour contre la marine. C'est vrai que Kaido est très très puissant, mais il était contre 3 supernovas, et ces 3 supernovas n'étaient pas vraiment, vraiment super préparés, hein, on peut le dire. Même si il voulait à la base détruire Kaido, mais enfin bon. Donc voilà, donc c'est surtout ça qui me dit que Kid va s'allier avec Luffy. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez pu le voir, je n'ai pas énormément de sources. Ce sont uniquement une supposition. Et donc voilà, donc n'hésite pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, eh bien, si ce concept vous plaît ou si il n'est pas à refaire. Et donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Super Clash. Abonne-toi, tchuss. We'll be right back.